Attention, bonjour la VOD. La musique, je l'ai enlevée. Bonjour la VOD, on n'est pas du tout dans un jeu joyeux, on est dans un jeu d'horreur, on est dans God's Basement. Et on va continuer. Elle se connaît. Bonjour VOD, vous voulez dire bonjour à la VOD, vraiment? Parce que tout à l'heure, il voulait un peu sans vraiment bonne volonté. Il y avait un petit peu de ça. Il est où mon chat? Il est là. Voilà, coucou la VOD. Comment elle fait? Incroyable. Salut VOD. On est sur God's Basement, ce sera la deuxième partie. Et voilà, et j'ai mis le fond vert pour un peu plus d'immersion. Par contre, du coup, j'ai la lumière verte sur moi, c'est peut-être pas malin. Donc je vais peut-être avoir des fois le visage un peu bizarre, non? Ça va? Sinon, on change la couleur de la lumière au pire. Peut-être le faire. Sinon, ça va faire un effet bizarre sur moi. Non, pas comme ça. Bon, bah comme ça. Voilà, là c'est bien. Là, ça fait pas trop vert sur moi. Ok, c'est bon. Ça a marché un peu. Bon, le jeu. Il a une ambiance sonore. Et pas des moindres. On était sur quoi? On apprenait que notre grand-mère, elle a été un peu perchée. Elle avait fait un peu des trucs bizarres. Et du coup, on s'était retrouvé un peu à devoir beaucoup s'occuper de notre grand-mère. Et du coup, il y a des soucis. Donc, on va essayer de comprendre la suite. Voilà, en gros. Vaudet, viens jamais dans le chat avec nous. Très beau noyau, Lox. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un beau noyau aussi. Super, l'alerte Discord, oui. Je cache le chat pour plus d'immersion. Mais j'aime bien ça, moi. Ok, donc il y a ça. Bon, va falloir trouver comment aller à la suite. On a une lampe torche, hein. Faut que je me rappelle de l'utiliser. Je mets un peu plus fort le son. Ça marche, Nadjeo, bonne nuit. Des bisous. Des bisous, des bisous. Punaise, on va encore devoir trouver un truc. Ok. Qu'est-ce que ça peut être? Les tableaux, est-ce qu'il faut zoomer dedans? Ça a pas l'air. Ici, on a zoomé sur la télé, ça a rien fait. Je vais le refaire. Peut-être bien se mettre devant. Ok. Oh! Des trucs bizarres ici. On dirait le bas du dessin, il est différent. Je sais pas. Par contre, j'aime bien le style. Je trouve ça très doux comme peinture. Ah, voilà, il y a un mot. J'avais pas lu des os. Qu'est-ce que je fais? J'ai rien à faire. À part faire. Non, V. Voilà. Je commence à m'inquiéter pour l'avenir. L'état de ma grand-mère continue à s'aggraver. Est-ce qu'elle va rester comme ça pour le reste de sa vie? J'espère que non. Que se passera-t-il si je dois partir à l'université? Qui va s'occuper d'elle? À l'heure actuelle, je peux à peine la laisser seule pendant 2 secondes sans qu'elle casse quelque chose. Je suis actuellement en 3e année de lycée. Alors j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. J'espère que je trouverai une solution plus tard. En tout cas par chez nous, 3e année de lycée, si tu la redoubles pas, bah après c'est la fac, hein. Enfin, à fac études supérieures ou projet professionnel, quoi. De manière générale. C'est l'alerte Discord. Oui, c'est une alerte sur mon live qu'on peut déclencher avec des bits. Ça m'a saisi. Arrêtez de me saisir. Vous êtes fou. Ça m'a trop saisi. Le pire, c'est quand je suis saisi par ma propre voix. Ça, c'est un peu bizarre. Well, excuse me. Elle est si longue. Princess. That's what she said. Ok. J'ai rentré dans ma dernière année de lycée. Sans réfléchir à ce qui se passe après le lycée, j'ai récemment postulé pour cette bourse. Il paierait essentiellement toutes mes dépenses.
y compris les frais de scolarité, la chambre et la pension et tout le reste. Mon plus gros problème en ce moment, c'est ma grand-mère. Nous n'avons pas de parents ou de personne pour s'occuper d'elle, à part moi. Est-ce que je devrais prendre soin d'elle pour le reste de ma vie? La réponse semble être oui. Son état de cesse d'empirer. Je sais que c'est égoïste, mais je suis assez amère à propos de cette situation. Je continue à faire des sacrifices pour elle. J'espère que je penserai à une solution le plus tôt possible. Voilà, faut faire des... Le lore, en fait, il arrive petit à petit, donc faut faire des petits allers-retours. On sait que c'est notre grand-mère. Je peux aller par là, je vais aller par là. Voilà, à chaque fois l'ambiance est progressive. Il y a une petite montée en puissance. Ouais. Ok, ça c'est fait. Voilà, faut que je zoome. Vous le sentez arriver, le screamer. Attention, il va y avoir un screamer. On s'en doute un peu. Je vais probablement sursauter vous aussi. Ou pas. Ça va dépendre. Pas encore, hein. c'est bien. On entend beaucoup pleurer, hein. On entend vraiment beaucoup chialax. Bon, en vrai, c'est horrible, hein, ce qu'il a raconté. Mais pour le moment, j'ai préféré la narration de... J'ai oublié le nom. Un jeu qui faisait penser à Layers of Fear. Dernier jeu d'horreur. Un jeu d'horreur que j'ai fait récemment. Enfin, récemment. Il y a quelques mois. Oh, je me rappelle plus. Plus horrible, c'est les impôts. Oh! Es-tu perdu? Comment pouvez-vous être perdu si on n'avait nulle part où aller? Es-tu effrayé? Es-tu effrayé? Es-tu effrayé? Bon, es-tu effrayé? Es-tu effrayé? Es-tu sans espoir? Mon dieu, machin. C'est que la traduction est galère entre le vous et le tu, c'est pas surprenant. La suite en... Très beau noyau, Lox. J'ai de bonnes nouvelles, j'étais à l'un des récipiendaires de... Bref, j'ai été sélectionné pour la bourse. Il y a cependant un inconvénient, je ne peux l'utiliser que sur certains collèges. La liste qu'ils m'ont donnée est trop éloignée pour faire la navette quotidiennement depuis la maison et le collège, alors je devrais absolument déménager. Le problème est que personne ne pourra se prendre soin de la grand-mère. Bon, ça répète vraiment beaucoup en permanence le même message. Je peux pas les quitter, je peux ni cuisiner, ni faire, ni aller à l'épicerie, ni faire. Elle ne peut ni cuisiner, ni aller à l'épicerie, ni faire, ni rien faire par elle-même. Je suis pratiquement sa gardienne. Son gardien. Plutôt que son petit-fils. Si je la quitte, elle finira probablement par mourir de faim ou d'un accident. J'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup d'options. Horrible, c'est les gens qui savent pas, peut-être, ouais, effectivement. Mais il y a quelqu'un là? Ah non. Oh, qui tue aussi?
Moi j'ai des succès. Donc ça veut dire que je progresse au moins. Je sais pas à quel point faut que je revienne en arrière. Peut-être que je zoome dessus. Va mettre dans une maison de retraite aussi. Bah c'est ce que je me dis en fait. S'il a une bourse, bon après. Les États-Unis c'est différent aussi. Et ça coûte super cher, donc en vrai la bourse, ça pourrait pas sûrement pas aider. Mais en vrai, il y a des centres de soins et tout. Mais j'imagine qu'aux États-Unis encore plus que par chez nous, c'est très cher. Déjà que les établissements un peu spécialisés, machin, ça peut être en partie pris en charge, mais je crois que pas tout. Loin de là. Donc en vrai, je comprends que. Besoin d'un marteau, enfin, voilà. Ça me paraît pas improbable qu'il y ait pas de... qu'il n'ait pas les moyens, quoi. Mais ça aurait pu être évoqué dans une lettre, par exemple, plutôt que d'avoir trois fois le même message en mode... qu'est-ce que je vais faire pour ma grand-mère quand je vais partir à la fac? Est-ce que je vais rester à tout jamais coincé avec elle, machin, machin? Plutôt que d'avoir ça, ça aurait été bien d'avoir un message disant je me suis renseigné pour les... maisons de retraite spécialisées, des trucs comme ça, et c'est hyper cher, jamais je pourrais payer ça, machin, j'ai voulu faire un crédit. Enfin, ça aurait été bien, tu vois, d'avoir un truc en mode, il a vraiment épluché toutes les options, j'ai essayé de voir ça avec des voisins, machin, ça aurait été sympa. Du coup, ça aurait fait une lettre, des lettres différentes, plutôt que d'avoir vraiment en boucle la même lettre en disant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Ça aurait varié un petit peu, ça aurait rajouté un peu plus de consistance à l'histoire. Voilà, c'est mon petit avis d'experte, quoi. Simplement. Professionnel. Exactement. Mais bon. Eh. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça on le savait. Cligner bénévolement dans une maison de retraite. Bah, pour le prix que les gens payaient, c'était une honte. Comment ils traitaient les pensionnaires? Oui, j'en ai entendu parler de ça. J'en ai entendu parler, c'est ça en plus, c'est que bah, typiquement pour justement les gens atteints d'Alzheimer, de Parkinson et tout, qui en plus ont besoin de beaucoup de patience et de compétences pour s'occuper d'eux. Et même juste les personnes âgées tout court, quoi. Ouais, ça avait l'air assez horrible. Mais en tout cas, GG pour le fait d'avoir donné ton temps, Gio, bénévolement pour ça. En vrai, tu peux être... bon, même si on fait pas ça pour être fier de soi, tu peux l'être quand même. Bon, non. Moi, franchement, ce serait pas un cadeau. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Alors, j'ai pris des pizzas surgelées. Mais, là, ça fait 3 semaines que t'en prends. J'ai pris ma préférée. J'ai du fromage. Et en dessert? Alors, j'ai fait des crêpes à la chantilly. Avec beaucoup, beaucoup de chantilly. Mais, on sent pas de lactose, nous. C'est avec la chantilly ou sans crêpe. Ok. Ah merci en tout cas. Dans la radio ici où j'ai travaillé, on avait des patients d'une maison de retraite du coin. Elle avait très mauvaise réputation. On voyait à chaque fois des patients âgés dans un sale état. Oui, tu m'avais dit tout ça et tout. Ah voilà, punaise. J'avais pas interagi avec celui-là. J'interagis avec celui-là mais pas l'autre. Dessert à chantilly de fou. Avec du sang de chantilly. Faut que j'appuie sur E, oui c'est ça. À fond
dans le live, mon chat a fait tomber un des jouets derrière moi. Je décède et je reviens. Bon courage, Infernalou. Ah, c'est vrai que ça met une petite tension quand même. Moi, j'avais rebaissé au moment où il y avait un peu trop de bruit blanc. Je me suis fait piquer. Je crois pas. Juste que j'ai été à la piscine aujourd'hui et que vu le nombre de personnes et la tronche de l'eau, m'étonne pas que j'ai des boutons après, putain. J'ai vraiment vu des trucs flotter dans l'eau. Merci Monsieur Poel pour le soutien habituel, toujours là. Elle est là-bas? Non. Aussi, il faut peut-être la suivre et qu'elle éteigne toutes les lumières. Let's go! Moi, je me baigne dans ma baignoire. C'est pas mal déjà. C'est plus propre souvent. Ouais, bah quand même, comme tu dis, Joe, c'est pas... Même si t'as pas vu de la maltraitance, t'as vu de la négligence. Ce qui peut être très grave pour des personnes âgées. Qui ont des traitements et tout, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'attention. Donc, c'est pas... Pas forcément moins scandaleux. Oh, les boum boum, le bruit sourd. Ah oui, faut que je fasse ça. James, it's been a while ça fait longtemps que nous ne sommes pas entretenus. Cela fait beaucoup d'informations à absorber. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Je me trompe fort parce qu'il parle super fort, excusez-moi. Mais je vais tout de même récapituler. Vous avez fait votre possible pour aller au lycée tout en prenant soin de votre grand-mère, en plus de votre job. Pardon. À la fin du lycée, grâce à vos bonnes notes, vous aviez reçu une bourse complète. Le seul problème était que vous deviez abandonner votre grand-mère pour partir à l'université. Elle vous a élevé seule, après le décès de vos parents. Et vous vous sentiez déchiré à l'intérieur, du fait qu'il faille l'abandonner pour avancer dans votre vie. Progressivement, son état empirait au point qu'il était extrêmement difficile pour vous de prendre soin. Ah ouais, ça pixelisait de fou la gamme avec la neige? Trop marrant. Je vais me mettre là. Vous aviez un choix à faire, abandonner et continuer votre vie ou refuser une bourse complète, sacrifier votre potentiel pour prendre soin d'elle. Êtes-vous prêt à découvrir quel choix vous avez fait? C'est un peu excitant, n'est-ce pas? Je vous ferai plus attendre. Vous avez choisi de rester avec elle. Ouais, bah du coup il s'est passé un drame, forcément. Vous saviez que ce serait mal de l'abandonner. Surtout au moment où elle en avait le plus besoin, où elle avait le plus besoin de vous. Elle avait bien pris soin de vous, quand vous aviez besoin d'elle, pas vrai? Vous ne faisiez que rendre la monnaie de sa pièce. Ouais, c'est bizarre de dire ça, on dit ça souvent négativement. Si vous n'avez pas remarqué, cette zone représente votre ancien emploi, celui auquel vous aviez travaillé tout en prenant soin de votre grand-mère. La première chose à faire est de pointer votre présence. Ouvrez la porte à votre gauche et prenez votre badge. Je reviendrai bientôt vers vous. Bonne chance. D'abord aux toilettes. Je peux même pas m'accroupir, ça t'écoute. Il est où mon badge? Il est mis n'importe où. Un drame, oh non! T'inquiète pas, Anté, nous on va bien. Enfin, je crois. Ce serait finalement dire ça, c'est peut-être un petit peu présomptueux de ma part. Je dirais qu'on va mieux que la grand-mère. Il y a un reflet qui n'a pas de sens. Un reflet bleu.
Et les reflets n'ont pas de sens. Ils sont mis au pif. Les reflets n'ont aucun sens, je me rends compte. Oh là là, c'est... Mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Les reflets, ils n'ont aucun sens. Tout va bien, oui, t'es mort. C'est vrai, c'est vrai. Disons que je peux pas aller pire. C'est bon, j'ai pointé. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je vais faire pipi. Faut que j'aille au travail. Ah. Nombre de boîtes organisées. Oh, bah moi je peux organiser moi. J'ai une voiture moi, apparemment. À qui suis-je en fous de ma boîte? J'ai que le E pour interaction. Ah voilà, ok. Ça va pas là? Vraiment? Ça va là? Je peux prendre qu'une voiture moi, j'ai bien l'impression. Quand j'essaie d'en prendre une autre, ça veut pas. J'en ai 50 à faire? Mais c'est un sup ça par contre, c'est ridicule. James, are you having fun? Ça vous plaît de créer des boîtes? Franchement, je préfère jouer à Super Market Simulator dans ce cas-là. Vraiment. Hein. Plus tout le monde dit qu'il est super. Are those boxes heavy? Est-ce que c'est fatigant de faire ça 8 heures par jour, 5 jours par semaine? Oui. Ouais, ça va se déclencher au fur et à mesure que j'avance. Je suis pas obligée d'aller loin. Hey, I think you missed one. Look over there, in the corner. Dans le coin? Quel coin? Là-bas? Là? Celle-là, peut-être. Écoutez, je fais ce que je dis. Hein. C'est pas tant le truc le plus con qu'on ait fait aujourd'hui. Hein. Dans le jeu, en tout cas. Dans la vraie vie, je suis allée à la piscine. Merde, c'est quoi ma boîte? Does it get tiring? Fatiguant faire ce travail jour après jour, rentrer à la maison et prendre soin de votre vieille grand-mère. Bon, on a pété un câble. On a pété un câble face à notre grand-mère. C'est sûr. Je suis à combien hein? C'est officiel. 25. C'est là que c'est meilleur. Merci. Simplement accepter la bourse et vous enfuir. Vous avez des regrets, vous auriez pu simplement accepter la bourse et vous enfuir. Choix compliqué, hein? Mais c'est vrai que moi, je serais team. J'essaye de m'arranger avec des gens, avec... Le gamin, là, typiquement étant jeune, il a aidé plein de voisins avec, pour donner des cours aux enfants et tout ça. Bah, s'arranger avec eux. Tout le potentiel que vous gaspillez, cela en vaut-il la peine? Pas la peine. La même chose tous les jours. Putain. J'imagine trop des gens qui se sont remis à fond en question. Ou pas. Est-ce que ça vaut la peine? Écoute, rien ne vaut la peine, c'est clair. Are you
Or do you find this job more tedious than taking care of her? C'est pas plus pénible que prendre soin d'elle. Mais franchement, en plus, prendre soin de quelqu'un de malade, bah tout le monde peut pas faire ça. En dehors de la responsabilité que c'est, faut aussi vraiment savoir comment fonctionne la maladie qu'elle a, comment elle fonctionne. Alors souvent, quand ça fait longtemps que tu connais la personne, tu sais à peu près. Mais comment aussi va évoluer la maladie ? Vous croyez que je vous dédigre, mais je ne fais que relayer vos pensées de l'époque, c'est ça qu'il a dit ? Oui, je crois que c'est ça. On va vraiment faire les 50, ça m'en ouf. Putain, Supermarket Simulator, j'aurais pu franchement m'éclater de fou là sur un jeu où je fais la même chose, mais où je gagne des sous. Ce qui est mieux. Je ne pas pouvoir s'accroupir, c'est vrai. Pas pouvoir s'accroupir et pas pouvoir sauter. On n'a pas de genoux, c'est possible. Concept, on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de jambes de manière générale finalement. Sacrifier tout votre potentiel pour avoir la conscience tranquille. Cela en valait-il la peine? On reste combien? 3. Ah, il me reste que les trucs bas. Wow, great job, James. Are you super. Ready to start all over demain? Again tomorrow? Ok, c'est bon, j'ai compris. Allez, vas-y. Bon bah on se casse, hein, c'est ça? Oui. On va se laver les mains? Ok, la suite. Super le chapitre. On s'est éclaté, hein? Non. Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci, Minou. Comment qui va, le Minou? Merci beaucoup, t'étais sur quoi? Merci. Un petit chou, tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Merci beaucoup. J'espère que t'as passé un bon live. Enter your old house. Our old house, oui, plutôt ça. Nous, on est sur un jeu d'horreur, alors désolé si ça peut faire peur à des gens. Mais bon, c'est plutôt des bruitages énervants que de la vraie peur pour le moment. Et du coup, on essaie de savoir ce qui s'est passé. On est au purgatoire, on essaie de comprendre ce qui a fait qu'on est arrivé au purgatoire, parce qu'on n'a plus de mémoire. Et on comprend que... on a tout sacrifié pour s'occuper de notre grand-mère qui était malade, sachant que nos parents ont été assassinés, et du coup, quand on était petit... Et du coup, voilà, on a apparemment décidé de sacrifier nos études pour pouvoir s'occuper de notre grand-mère qui devenait de plus en plus malade et de plus en plus instable. Et apparemment, ça a potentiellement pas super bien fini. Voilà. Attention, jeu d'horreur, c'est ça. Warning, d'horreur. Putain, les bruits de tout qui craque là. Ah, ça, c'est notre bureau. Enfin, notre bureau, notre chambre. Et la chambre de notre grand-mère. Évidemment, je ne peux pas y accéder. Chagrin. Je cherchais des chips et te regarder, ça marche. On attend que vite on revienne. Je vais quand même bouger un peu parce que les bruits... Ça chouine encore.
Besoin d'un morceau de marteau. Besoin d'un marteau. J'ai lu morceau de marteau sans raison. Je suis très bizarre comme personne. Morceau de marteau. J'aime bien la conversation que ça peut faire. On a le marteau. Oh, on va barricader notre grand-mère. Bah oui, parce que la nuit, elle sort et elle casse des trucs et elle-même risque de se faire mal et tout ça. Elle se lève et elle fait des trucs chelous. Donc, solution pas du tout flippante non plus. Hein. On décide de la barricadax. Un peu s'il y a des trucs à trouver. C'est nous qui faisons tous ces bruits. Non, on bouge plus, donc non. Ok, on a enfermé la grand-mère. On a fait notre rôle de petit-fils modèle. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On mange un peu? Ouais, j'ai essayé de prendre le couteau, j'avoue. Réflexe. Jeu d'horreur, je connais un. En bas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une boîte du boulot. Il y a ça, il y a un coffre. On va peut-être... C'est pas un coffre, c'est une boîte. Ok. C'est très bizarre parce qu'à l'étage on peut descendre aussi. Enfin l'étage, non, c'est même pas l'étage. Non. Mais la maison, j'arrive pas à comprendre comment elle est foutue. Y a pas un couloir et tout, genre... Ah si, y'a un petit couloir ici en fait. Ouais, je sais pas, je suis toute perturbée. Ok. Dodo. Ah, je dois faire encore un truc. Je pense que je suis censée aller me coucher, mais faut faire un truc avant. À part barricader. Ça c'est fait, on a barricadé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse sinon? Il y a quoi ici? On sait pas tout de suite, ok. Faut aller prendre la douche et faire caca? Avant le dodo? Non. Est-ce qu'on s'en va? Peut-être éteindre toutes les lumières. Ça me tend un peu que tout soit allumé. On va regarder la télé. Voilà, alors, la tronche du téléphone par rapport à la tronche de la télé, quoi. Ok. Le truc. Nettoyez les assiettes cassées. Cherchez un couteau de cuisine sous votre lit. Cachez un couteau de cuisine sous... What the fuck? Vérifiez les emails sur le téléphone. Prenez un marteau du sous-sol et clouez les planches de bois sur la porte. Éteindre toutes les lumières, allez au lit. Voilà, ouais, c'est ça. Les assiettes cassées. Bah, je sais pas où elles sont. Par contre, je peux vérifier les mails sur mon téléphone. Peut-être pas maintenant. Peut-être que j'ai fait des trucs avant. Toi, les assiettes cassées. Ok. Cacher un couteau sous notre lit. On va éteindre. Vérifier les mails. Je vérifie mes mails. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Salut notre jambon. Merci pour le follow. Et toi, essaie de cacher. Cacher un couteau sur votre lit. Bon, je vais cacher le couteau d'abord. Peut-être que c'est... Faut que je le fasse à ce moment-là. Bonsoir. Tac, tac, tac. Du coup, là, je peux le cacher. C'est bon? C'est caché? Oui, c'est bon. Il est bien caché, en plus. T'as intérêt à pas aller sur ton lit pieds nus, toi. Il a bien allumé la lumière avant de te lever, mec. Ah, voilà. Il est regrettable que vous ayez décliné notre programme de bourse d'études. Merci d'avoir postulé. Nous espérons que vous réussirez dans tous vos projets.
Un peu tristoun. Oui, ta gueule, le téléphone. Ok, bah c'est fait. On a vérifié la fin de notre avenir. On a pu la vérifier. Bah, ces lumières, elles s'éteignent pas. Je vais vérifier si tout est éteint ici. Ouais, c'est bon. Bon, je reviendrai ici s'il faut éteindre. Je saurai que ça vient de là. Hop. Les planches, c'est fait. Éteins toutes les lumières, allez au lit. Ok. C'est le téléphone. Je le prends pas pour aller au lit, tiens. Bizarre. Mais ouais, mais il y a des lumières que j'ai pas dû éteindre, mais fuck. Ah, c'est bon. C'est une drôle de façon de vérifier tes mails. Toujours un petit peu comme ça. Tu gardes le téléphone un petit peu comme ça et puis toi tu regardes comme ça. Permet de s'assurer de voir tous les mails. On entend marcher alors qu'il y a les barricades. J'essaye, hein, mais je peux rien faire. Je peux juste attendre, j'ai l'impression. La musique qui devient plus... Ah bah tape à sa propre porte, on est juste à côté donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup. Oh, elle a tout pété. C'est pour ça qu'il veut un couteau sous sa couette. Je peux toujours pas? Une balèze la même, d'un coup hein. Ta grand-mère elle a tellement fait du jujitsu. Bulldeuse. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Mon téléphone, il est resté allumé tout ce temps. Super. Ah, fallait que j'en nettoie. Punaise, de l'autre, je peux pas la nettoyer. D'accord. Ah, j'aurais dû prendre mon couteau. Pas la trop gagner. GG, guide. T'as dû débloquer tellement de trucs. Est-ce que t'as la durée de ta partie? Parce que les parties sont longues en fait. Ça m'intéresse de me rendre compte de tout le temps. Je vais prendre mon couteau. Oh, je peux pas le prendre. Fuck. C'est ouvert ici? No. 40 minutes peut-être? Ok, soit vous. Thank you.
Ah, tiens, pas un truc avec lequel interagir ici. La petite porte. Ah, peut-être une lettre, un truc à lire. En pleine nuit, là. Nickel. Oh, je peux peut-être allumer les lumières. Mais oui, il y a une lettre. Douleur, en êtes-vous plein, patience, en êtes-vous drainé? Quand est-ce que votre souffrance sera-t-elle finie? Prendra-t-elle fin, on va dire plutôt. Ok, j'ai lu le truc, ça va peut-être faire avancer un peu. Faut vraiment pas oublier de lire tous les petits papiers qu'on croise, sinon sans ça, ça n'avance jamais. Même quand ça a tendance à beaucoup se répéter. Mais on vient de lire ça. Vous dites qu'elle meurt, n'est-ce pas? Non pas pour son bien, mais pour le vôtre. Vous aspiriez à sa mort, non pas pour apaiser sa souffrance, mais surtout apaiser la vôtre. En même temps, moi perso, ça me ferait bien flipper, hein, la grand-mère qui arrive à défoncer une porte comme ça à chaque fois qu'elle en veut une porte barricadée. Genre un truc que plein de gens ne peuvent pas faire, hein, de plein de gens en pleine forme pourraient pas faire, en tout cas vraiment en se fatiguant beaucoup. Elle arrive à défoncer la porte comme as, elle appuie toute sa tête. En... Ouais, j'aurais très peur. Oh, je crois que mon jeu est en train de crash. Je vais attendre que le programme réponde. Bon bah non. Mon jeu a crash. Ma mère arrive déjà pas à ouvrir le ketchup. Ma mère arrive déjà pas à ouvrir le ketchup, pardon, je relis bien. Voilà. Donc ouais, vivre dans la même maison qu'une personne qui n'a pas toute sa tête et qui en plus a cette force-là, ouais, je sais pas... Faut que j'en fasse tout. Oh, faut que j'en fasse ma sensie, quel enfer. Attendez, je... Oh, ça a abusé, y'a rien qui sauvegarde en fait. Super. Oh, c'était moins. Ouais, c'est ça. On est au chapitre 8. Change la partie. Ok. Peux-tu refaire ? Je savais que je pouvais au pire débloquer tous les chapitres et choisir celui où j'étais, mais il aurait fallu que je cherche où j'en étais. Et du coup, il y aurait pu y avoir plusieurs essais, ça aurait été chiant. Mais là, on arrive qu'au moment où faut tout ranger. Bon, au pire, c'est le moment où faut tout ranger, ça va. Ah non, c'est en pleine nuit, là. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord. Putain. Sup, quoi, le jeu qui me dit pas quand il est lancé, je vais péter un câble, péter un plot. Ok, on speedrun le nettoyage, tout ça. C'est pas ici l'assiette, c'était là. C'est fait. Faut que j'éteigne tout? J'ai pas lu, attendez. J'ai rien ici. Ah, mais je suis au moment où. Bah non. Bah j'en suis où? Ça a bugué? J'ai pas le truc qui me dit ce que je dois faire. Et le couteau, est-ce que je peux le prendre? Non. Mais OMG, j'en suis où? Ah oui, les bruitages, je me dis, ils sont vachement forts, je les avais baissés.
entendre pleurer dans sa chambre, peut-être. J'étais tout de suite allée chercher par... Non, j'étais rien allée chercher du tout. Ah oui, depuis ici. C'est ça. Bien vu. Tac. Cacher le couteau, les emails, tout ça. Ok. Mais ça, c'est fait. On va le faire vite. Est-ce que je peux avoir plusieurs trucs, plusieurs objets sur moi, ça m'arrangerait. Ça semblerait qu'il y ait vie. C'est où l'interrupteur d'ici, c'est là. Ah oui, je vais s'allumer puisque je vais y aller, ça me rappellera d'y aller. Interaction soit prise en compte, je sais pas. Ok. Gigi, ouais, tu te souvenais bien, Catholic, bien joué. Bon, là, on a ce long passage, par contre. Ça, c'est vraiment long. Puis on fait une game de balle à trois en même temps, quoi. Pardon, je suis un petit peu dans une boucle, je sais pas si vous avez remarqué. Mais sachez que sinon, j'aime bien le jeu, ça passe. Ça passe un peu. Ça va, vous ? Ou quoi? Ah ouais, mince, ça marche pas, il y a le fond vert. Ça a l'air un peu stupide. Ouais, ça va bien, ouais. En plus, c'est mal fait. Je déchire comme ça, voilà. C'est bon, pardon. Excusez-moi, c'est fini. Excusez-moi. Je continue avec mes filtres. Je regardais plus du tout l'écran. Ok. Du coup, il faut constater des trucs. On constate un max. Ok, il y a des trucs qui sont cassés, genre... Là, là, la grand-mère, tic-tac-touc, elle fait ça, elle est chiante. Oh. Il y avait une autre lettre quelque part, mais c'est pas celle-là, non, c'était sur la table peut-être. Ou ici, je ne sais plus. Voilà. C'était quoi déjà? Patience, machin, drainé, machin. On n'a plus de patience, on n'a plus de... d'espoir, tout ça, tout ça. Are you full of it? Patience. Are you out of it? James, when will your
Quand cesserez-vous de souffrir? Douleur tropicale. Timothée Chalamet. Toi, Chalamet. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon PC portable cassé. Je l'ai laissé seulement quelques minutes pendant que j'étais dans la salle de bain et je suppose qu'elle est entrée dans ma chambre, qu'elle a eu un épisode. Je vais devoir utiliser l'argent que j'économisais pour le remplacer. Désolée pour lire, c'est chiant d'avoir ça. Effectivement, tout niqué. J'essaie régulièrement de prendre le couteau pour pas louper le coche, quoi. J'avoue, la rancune qui coule dans vos veines. Je pourrais même faire la petite voix. Attendez. Sentez-vous la rancune qui coule dans vos veines? Sentez-vous la colère monter? Demandez empathie et compassion à l'amour. Ça doit être un peu horrible, je suis désolé. Ressentez cet appel, cet échappatoire. Ou alors peut-être comme ça. Non, mais désolé, en fait, je vais pas le faire, je suis désolé. Elle est où ma caméra? Elle est où ma caméra? Elle est... Ah non, c'est pas celle-là. Concentrez-vous là, c'est pas concentré, c'est insupportable. Eh ben, je vais aller chercher mon couteau. Oh non. Peut-être ça? Non, non, un couteau. Enfin, non, peut-être pas, pardon, je vais pas... On va pas sauter les étapes trop vite, on est pas des bêtes, mais bon. Je la sens bien comme ça quand même. Mais du coup, peut-être qu'elle s'est défendue, nous a tués. Et ouais, Trump, c'était moi depuis le début. Choc-bar. J'ai pas bugué, hein. Excusez-moi, je cliquais partout. Allez, j'ai fait quelque chose d'atroce. Je les ai tués, je les ai tous les deux assassinés. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais plus aucune raison de vivre. Je suis tellement désolée. Ça, c'est la grand-mère qui avoue, ça, c'est sûr. Et puis de son, mon jeu. Read the old document that reveal your past. Scène de crime brutale a émergé. Voilà. Du banlieue, deux victimes, Neil, machin, ont été violemment poignardées. Deux parents avaient un enfant en bas âge. And your infant brother. It wasn't your grandmother's fault entirely, but your parents ne peut plus s'empêcher de la blâmer. But put the blame on her. With no family or friends left, sans famille ni amis, vivant une existence sans espoir et sombre, votre grand-mère avait ensuite décidé de les tuer. Nice. Non, pas cela, c'est des connards et j'en joue pas. Une fois vos parents mis à l'écart, elle avait donc pu vous élever seule. Ah, je peux pas faire pause. Merci beaucoup, Gamepad. C'est ce dont vous aviez besoin de savoir, un moyen de justifier sa mort, une manière de se débarrasser de ce fardeau. Un petit chou, tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Vous quitterez encore une fois, juste au cas où vous avez oublié. Voilà. Excusez-moi, c'est parce que ça, je pouvais pas faire pause pendant qu'il disait tout ça. C'était le screamer. Merci Gamepad pour le raid. T'as fait quoi de beau? Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup. Peut-être du retruc ou alors un petit trop truc. Un petit chou-tout. C'est ça, on a fait un petit chou-tout. Donc, comme nous le savions, attention, grosse surprise, tin, tin, tin.
Tintin. Attendez. Je sais plus où sont mes... Je sais plus où ils sont. Mais attention. Attention, révélation de fou. Attention. Ah, mais il y a celui-là, sinon. Hey, il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. Attention, révélation de fou. En fait, c'était notre grand-mère qui avait tué nos parents. Tintin. On le savait pas du tout. Si, on le savait, on l'avait compris très très tôt. C'est pas grave. Personne qui vient de me follow m'a fait peur. J'avais pas encore fermé OBS. Oui, ça m'arrive parfois. Avant le live ou après le live. Et du coup, tu vois un truc, t'es là... Putain. Bah, merci en tout cas à la personne qui a follow, si elle est ici. Merci beaucoup. Une scène de crime brutale. Voilà, donc, ça, on a lu. Ça. Un accident mortel se venait le week-end dernier. Ça, on avait fait. Et du coup, désolé, je n'ai pas répondu à vos appels. Très beau noyau, Lox. Merci beaucoup. Du coup, j'ai tout lu. Soyez beau. Soyez slibo. Tout à fait. N'hésitez pas à être slibo. Alors, on est dans un jeu d'horreur pour ceux qui viennent d'arriver, pour celles et ceux qui viennent d'arriver. J'espère que la petite soirée Eurotruck s'est bien passée, by the way. Et on arrive vers la fin du jeu, je pense, apparemment. Et en gros, officiel. On a c'est assassiné notre grand-mère. Oh, ça, on le savait. Je dis ça au moment de c'est là que c'est la meilleure, j'aime beaucoup. Et on apprend un petit peu que c'est tout un enchaînement de trucs qui a fait qu'elle nous a élevés parce que nos parents ont été assassinés. Tintin, en fait, ils ont été assassinés par notre grand-mère. Elle nous a élevés, mais elle est devenue folle, notamment peut-être le poids de sa culpabilité. On l'a pas encore assassinée. Bah, pas encore. Peut-être que ça s'est pas passé tel quel, mais du coup, on a essayé. En tout cas, c'est sûr. Et on est au purgatoire et on apprend de nos péchés. Bouh ! Tension, Kion ! Arrêtez ! Ok, on peut aller dans la chambre de notre grand-mère, on va aller voir. Bah, elle est pas là. Avec son tableau. Enfin, ça, la photo qu'elle matait tout le temps. Apparemment. Comment tu vas, Kion ? Sinon, effectivement, comment ça va-tu ? Merci en tout cas vraiment pour le raid. C'est un jeu assez narratif, on a beaucoup d'écrits et tout ça. C'est pas ma manière de raconter préférée, mais bon. En vrai, on finit par se prendre à l'histoire, même si ça m'a pris un peu de temps, hein, vraiment. Ça m'a pris un bon 45 minutes pour rentrer dans l'histoire. Prendre le couteau, obtenir la nouvelle radio, obtenir le téléphone. Enfin, prendre le couteau, prendre la radio, le téléphone, placer le couteau sur son lit, remplacer l'ancienne radio, placer le téléphone sur la table devant la porte, attendre devant sa chambre. Prendre le couteau, la radio, le téléphone, placer le couteau sur son lit. Ok, bon, on va chercher couteau, radio, téléphone, placer le couteau sur son lit. Et c'est quoi l'autre truc ? Remplacer l'ancienne radio, placer le téléphone sur la table. Ok, je vais essayer de me souvenir de tout ça. Faut prendre un couteau, une radio, le téléphone. Bon, il y a tout là, ça va. Et remplacer la radio et le téléphone sur la table. Mais quelle table ? Cette table-là ? Et on apprend du coup que voilà, on essaye peut-être. Ça marche même pas d'être en dessous. Je dois changer de matos pour l'IRL. Ah ! Mais tu sais déjà ce qu'il te faut comme soluce ? Du coup, ça y est ? Enfin, déjà. Placer le téléphone sur la table devant la porte. Bah, je vois de quelle table il s'agit, c'est ça ? Voilà. J'avais déjà fait, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous m'entendez ? Je sais que ça peut paraître suspect, mais pour l'instant, faites-moi confiance. Est-ce que vous souffrez ? Voulez-vous que cette douleur disparaisse ? Je peux vous en libérer, mais vous allez devoir faire exactement ce que je dis. N'ayez pas peur, vous n'en ressentirez aucune douleur, vous n'allez plus souffrir, vous n'avez plus à souffrir. Oh punaise, mais attends. Il a poussé sa grand-mère au suicide, c'est plutôt ça ? La chose que je veux que vous sachiez, c'est prendre le couteau qui est sur votre lit. Vous faites du bon travail, c'est coupant, alors soyez prudent. Il
Ensuite, passez doucement la main contre votre ventre. C'est un travail formidable. Maintenant, appuyez un peu plus fort. Ah putain, elle a poussé sa grand-mère à se tuer. Vu qu'elle était folle et qu'elle parlait à la radio tout le temps. Continuez à y mettre plus de force jusqu'à ce que le couteau pénètre dans la chair de votre estomac. Vous pourriez ressentir un peu de douleur, mais ce n'est que de temporaire. Vu que vous tirez le couteau, il y a du liquide chaud et rouge qui jaillit de votre estomac. Comment tu penses à ça? Comment tu penses à ce plan-là? Ces amis suivent d'avant pression. Si oui, si vous avez mis suffisamment de pression, je sais que cela pourrait être douloureux, mais c'est bientôt fini. Je veux que vous répétiez le processus, sauf que pour cette fois-ci, vous allez placer la pointe du couteau un peu à droite. Continuez à appliquer une pression jusqu'à ce que le couteau pénètre dans la chair. Maintenant que vous avez effectué le processus deux fois, pour la troisième fois, passez le couteau à gauche du point d'origine. Encore une fois, continuez à y mettre de la force. Qu'est-ce que... Putain, c'est horrible. Pas de mood de fou. En vrai, c'est très chaud. Hein. Le fait qu'en plus, ils décrivent tout et tout en mode... Vous fassiez trop fort. Oh là là. Et ben... Il va faire reproduire sur elle-même la façon dont elle a tué ses parents. Ah oui, c'est ça, oui, parce qu'elle les a beaucoup poignardés par contre. Elle a pété un câble de fou. Il s'est vengé, quoi. Mais en même temps, de plein d'autres choses. J'avoue de la peine, souffrez-vous, je sais que oui, mais ne vous inquiétez pas. Tout va se dissiper. La dernière étape, êtes-vous prêt? Tout ce que vous avez à faire, c'est répéter le processus, sauf que cette fois, vous appuyerez le couteau sur votre cou. Ouais, c'est ça. Je peux embarquer un PC. Ok, je vois, ouais. Enfoncez rapidement le couteau dans votre cou et toute douleur disparaîtra. Faites une pause maintenant. Passez à la vie suivante ou passez au néant. Je vous garantis. On ne va pas vous pleurer. Parce que voilà, elle a tué ses parents, il l'a appris. Mais c'était pas que pour ça, en vrai, c'est aussi parce qu'il a sacrifié sa vie pour s'occuper d'elle qui était malade. Donc il y a une double vengeance en fait. What? Bah ouais, hein. Il s'est vengé en fait. James, you murdered her. You knew about her delusions. Elle avait tué, vous connaissez ses délires, elle a toujours été... Elle a toujours parlé de l'homme de la radio, c'est pour ça que vous avez décidé de devenir ce personnage. Vous avez remplacé l'ancienne radio, puis avez lancé un fichier audio, disant de se poignarder à plusieurs reprises avec un couteau. Vous saviez qu'elle était délirante, qu'elle avait des épisodes de schizophrénie. Elle a suivi vos instructions, et s'est finalement vidée de son sang à cause de ses blessures auto-infligées. Comme toutes les preuves indiquaient au suicide, vous n'avez pas été accusé. Enfin, vous n'avez été accusé de rien. Vous avez finalement obtenu ce que vous vouliez. Vous étiez enfin libre. Vous demandez peut-être comment vous êtes mort exactement. Eh bien, pendant les premiers mois, vous avez vécu une vie sans souci. Vous avez en fait profité de la vie dans une certaine mesure, sans être lié par un parent malade. Mais finalement, tout s'est bouleversé. Cela a commencé par de brefs cauchemars horribles, des visions d'elle se poignardant sans cesse, le sang jaillissant de ses plaies, inondant votre esprit de culpabilité. Lentement, les cauchemars ont ressurgi dans votre vie quotidienne. Vous la voyez partout, que vous conduisiez, marchiez dans la rue ou au travail. Même en l'ayant tuée, elle n'est jamais vraiment partie. Elle a vécu dans votre esprit et vous a hanté tous les jours jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous endormir. Elle s'est suicidée? Chaque fois que vous fermiez les yeux, même les plus brefs moments, elle se manifestait dans votre subconscient. En même temps, tu m'étonnes qu'il ait fucké le gars. Finalement, vous êtes allé à l'hôpital et on vous a prescrit des somnifères, mais cela n'a fait que réprimer le problème.
Lentement, votre corps s'est adapté aux médicaments et vous avez dû augmenter les doses pour que le médicament soit plus efficace. Donc il en a pris trop. Le processus s'est répété jusqu'à ce que vous preniez plusieurs fois. Vous preniez plusieurs fois dépassant la quantité recommandée. Vous êtes devenu accro. Jusqu'une nuit, vous avez fait une overdose. En ce moment, votre corps physique est actuellement dans un lit d'hôpital en sillon entre la mince ligne de vie et la mort. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à lire. Vous demandez toujours pourquoi vous êtes ici dans God's Basement, dans le purgatoire, quoi. Je vais enfin vous le dire. Vous dire qui je suis et la vérité derrière cet endroit. Le purgatoire est un domaine pour ceux qui ont commis de grands péchés. Mais qui, j'ai pas le temps de lire, les individus qui arrivent ici reviennent de leur propre version de l'enfer, revivent leur propre version de l'enfer leur permettant de réfléchir à leur vie. Regardez leur lente descente aux enfers. Sont encore rachetables, d'accord. Leur ressentiment, leur haine, leur amertume, leur jalousie s'accumulent jusqu'à ce que ces émotions se manifestent par des actes atroces. Le vôtre étant un meurtre. Vous avez été mis au pied du mur, regardant votre vie passer lentement. Devant vous, toutes les opportunités que vous avez sacrifiées, tout ce potentiel gâché, vous êtes devenu amer et plein de ressentiments. Beaucoup pourraient sympathiser avec vous. Beaucoup auraient même fait la même chose. Vous étiez sans espoir et vous aviez l'impression de vivre un enfer. Je m'appelle l'opérateur. Je suis une entité qui se manifeste dans le purgatoire. Je me manifeste de différentes manières selon la personne. Non, mais c'est un peu long, ça j'ai compris. Mon travail consiste à guider les personnes à l'intérieur du sous-sol de Dieu et lui permettre de revivre sa vie sous un angle différent. Dans votre cas, je me suis manifesté avec de nombreuses caractéristiques ressemblant à l'homme de la radio. J'espère que cette explication a tout éclairci. Vous demandez toujours ce qui va se passer maintenant que vous avez récupéré tous vos souvenirs. Je m'en souhaitais plutôt que le purgatoire est destiné à ceux qui sont encore rachetables. Certes, vous avez commis un péché atroce, mais vous aviez été piégé par une existence sans espoir. De plus, la personne que vous avez tuée n'était plus vraiment votre grand-mère. Voici, était une coquille de ce qu'elle était avant. Bah c'est que bon, il a vu ses parents se faire assassiner par sa grand-mère et il s'en est occupé toute sa vie. C'est surtout ça qu'il a fucké. Votre grand-mère est morte il y a longtemps, elle est partie. Une partie de vous voulait voir sa souffrance cesser. Votre crime était à la fois cruel et miséricordieux. Ouais. Vous allez avoir une seconde chance dans la vie. Bientôt, vous allez vous réveiller dans votre lit d'hôpital et sortir de votre coma provoqué. Par les cachets, apprenez à vivre avec ce que vous avez commis. Les sentiments de culpabilité, de paranoïa et de douleur ne disparaîtront jamais complètement. Oui, puis peut-être finir en prison aussi, hein. Tirez les meilleures parties de la vie, soyez reconnaissants pour cette seconde chance. Une dernière chose, bonne chance. Dans Banishers, qu'est-ce qu'on ferait en vrai, lui? On le blâmerait ou on le laisserait tranquille? Ou on élèverait la grand-mère? Moi, franchement, je le blâmerais, hein. Ça me ferait une âme de plus pour... Blâmer pour ressusciter ta femme, c'est ça. Tu peux rien faire. Bah, je le laisse. Là, le tout bip, c'est mémé. Merci d'avoir joué, merci de nous avoir un peu aveuglés pour cette fin, c'est gentil. Bon, au final on se prend au jeu quand même. J'attends, hein. Ça va disparaître quand tu auras plus d'écran blanc. Merci Rebus.
Debussy, oui. Je remercie un arrêt de bus. Je suis développeur de God's Basement, vous avez atteint la fin et je voulais vous remercier d'avoir joué tout du long. Je suis débutant dans la création du vidéo, alors j'espère que l'expérience était agréable, j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Oui, d'accord. Peut-être un jour vous jouerez un autre jeu, un autre de mes jeux, si je peux offrir un autre. Sortir un autre, je lis mal. Merci encore, Erebus. Bon bah voilà, c'était la fin de God's Basement. Moi je dis on a eu la bonne fin, non mais il faut qu'il y ait qu'une fin, donc c'est des bêtises. J'ai pas fait la VOD? Mais si je l'avais fait, je l'ai cut sans faire exprès en cliquant partout parce que je suis con. Bon. C'est pas grave, je ferai un temps fort et je prendrai ça. Triple VOD, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.